les côtes 1-1. Donc voici le tableau pour les réglages de votre machine pour les côtes 1-1. Donc nous allons suivre le premier tableau. Ici, ce sont tous les réglages à faire sur la machine, la disposition des aiguilles, le sens de votre chariot, donc le lecteur de carte sur rond, le bouton blanc, et gris c'est sur S, le compteur rend à 0. Voilà, donc les leviers de côté sur rond, votre levier de point sur jersey, la densité sur 0. Et ici, les leviers devant le chariot, c'est sur 2. La coupleur, le levier de commande couché. Ce levier ici, sur rond. Donc, les rappels d'aiguille sur les deux barres, les poussoirs sur 1, la densité sur 0, le bouton de jeté sur la flèche et celui-là sur 1. Sur 5. Quand vous devrez mettre sur H, ben, ça serait H sur 5. Nous allons monter les aiguilles 25 et 25 de l'autre côté. Voilà, idem ici. Voilà. On les dispose en côte. Regardez bien si vous avez tout pris, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir une aiguille en trop. Je vais vous montrer comment faire le montage avec le fil nylon. Nous allons passer deux fois le chariot pour qu'il se trouve à gauche et que vos aiguilles soient bien mises sur la machine. Ensuite, on passe le fil nylon, on le passe dans la coupleur et ensuite vous passez le chariot de droite à gauche. Et nous allons mettre le peigne. Ici le petit pour 50 mailles, pour 100 mailles. C'est 50 mailles de chaque côté après le zéro.
Voilà. Voilà, vous avez un petit zigzag. Ensuite, vous enlevez le chariot de la deuxième fonture et vous le passez de gauche à droite et droite à gauche. Vous le rattachez. Comme nous avons déjà fait les réglages, on repart ceci, nous l'avons fait ceci également, donc nous sommes là. Donc vous devez passer votre chariot de gauche à droite. J'ai oublié de mettre les poids, donc avant de passer votre chariot de gauche à droite, mettez vos poids. Ici j'en ai mis deux, donc ça c'est fait. Pas oublier de mettre les poids avant de passer de gauche à droite. Nous sommes à la ligne 4, donc nous allons régler le deuxième chariot avec le poussoir sur zéro. Voilà, celui de gauche uniquement. Tirez sur votre fil. Voilà. Vous voyez, il a tricoté que la fonture arrière. Ensuite, on met le levier point sur fil tiré. Voilà. Ici. Et on passe le chariot. Ensuite, on remet le levier point sur jersey. Et on refait un passage. Voilà, ça c'était les trois rangs circulaires. Maintenant, nous allons passer au tricotage. En fait, les réglages ici, c'est plus pour du fil fin. Voilà, donc on remet le poussoir de gauche sur 1. Sur 2. Les deux densités sont réglées. Alors, maintenant, on peut tricoter. On remonte l'aiguille
on la descend jusqu'à hors travail. Et puis voilà. Voilà, une fois que les côtes sont terminées, enfin, voilà, on va enlever, on va tirer sur le fil nylon. Voilà. Et puis on l'enlève. Et voilà, ça vous fait un beau bord. Voilà.